dimanche, j'étais au 10-30, venu faire quelques courses, j'avais des trucs à acheter. Thériault. Alors comme ça, je suis un traître? De l'or. Prépare-toi à être humilié. En ligne mon dernier vlog, un épisode de podcast. Là, je m'en vais chez Dessert, je me sens produit. Oh mon Dieu, le beau toupette, toi! Le beau toupette! Là, je m'en vais chez Dessert. On va aller s'acheter un petit peu de matériel. Je sens que j'ai retrouvé le contrôle de mon vlog. C'est cool. J'ai retrouvé l'inspiration, la motivation. Je savais plus trop comment raconter mes affaires. Ça a fait du bien de prendre une semaine de break, la semaine d'avant. Calice. Ma batterie est encore morte. Aujourd'hui d'en face qui proviennent toutes de la même source. la mère de ma fille qui m'a écrit, elle a dit bon, c'est le temps des cours de conduite à ta fille, comment qu'on s'arrange, tu sais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Puis ça m'a donné trois coups de pelle d'en face. Le premier étant déjà Je me semble que je la torchais, cet enfant-là, il y a pas longtemps. Fallait que j'y change sa couche. Fallait que je la tienne par la main pour traverser la rue. Fallait que je la prenne dans mes mains pour la monter sur les modules au parc. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, elle a son chum. Puis là, ben, elle s'enligne pour son permis de conduire. Deuxième coup de pelle, le prix. Ben proche de 1000$ cette affaire-là, dans mon temps, c'était genre 300$. Je vais être comme, ah, oh, fuck!
Fait que va falloir que je participe à... Faut falloir que je ramasse mes sous pour pouvoir lui payer. C'est, j'avais comme pas calculé ça dans mon budget, mais là, ça va en faire, ça a de l'air. Là. Ça, va falloir que... va falloir que j'insère ça dans mes économies. Un permis de conduire pour ma fille. Troisième coup de pelle, c'est que j'ai réalisé... Là, elle prendra pas son permis... Tu sais, elle prendra pas un cours de conduite pour rien, là, là. Quelle auto qu'elle va prendre, tu sais? Elle va vouloir mon auto, là. Fait que là, je m'enligne pour ça, là. Là, je la vois venir. Puis elle est convaincante, ma fille. Ça, c'est ma plus vieille. Puis elle a de l'attitude. Je peux pas y dire, tu sais... disons, c'est ma version 2002, là. Puis c'est ma version la plus difficile à refuser, disons. Je peux... J'ai bien de la misère à refuser des affaires. Je suis capable, mais c'est le seul qui va tenir le plus tight. Je m'enligne pour quelque chose avec ce permis-là. Samedi soir, j'étais avec mon hormone du bonheur. Elle veut pas que je la montre parce qu'on est dans un éclairage de garage. On s'en va voir un spectacle. On s'en va voir le spectacle des Deux Luxe au Club Soda. Mais par quel bout du monde? Mais c'est pas grave. Parce qu'on va passer une belle soirée remplie d'amour et de musique. Les Deux Luxe, c'est un band que ma blonde affectionne particulièrement. C'est un band rock. Puis je pense... Si je me souviens bien, je pense qu'il était passé à ce show il y a 3 ans, à Musique Plus, quand on faisait ce show. Spectacle vient de se terminer. C'était vraiment bon. Première partie, Laura Sauvage, qui était super bonne. Elle vient du Nouveau-Brunswick. C'est clair par l'accent. Jason doit la connaître. Deuxième partie, les Deux Luxe. Hein? Non, non, mais il doit pas la connaître personnellement, mais il doit savoir c'est qui, tu sais? Non. Ben oui. Ben oui. Ils sont tous cousins là-bas. Puis deuxième partie, les Deux Luxe, c'était très 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 bon. Une espèce de rockabilly. La fille elle a de l'attitude, puis elle est rockeuse au bout. C'était vraiment nice. Merci pour la belle soirée. On a comme traversé le pont pour venir écouter de la musique. On est dans Footloose. What is that? Oh, it's an imitation. Dimanche, après une soirée musicale, là, je m'en vais rejoindre mon ami Dan, qui est juste là, avec sa petite tête de poisson. On s'en va au cinéma, on s'en va voir Black Panthers. Hey, belle brute! Ça va bien, toi? Oui. Prêt pour le cinéma, mon Dan? Oui, monsieur! Yes, nice, go! It's out? Très out. Ouais. Black Panthers, c'est le film que je crains le plus, que j'attends le plus. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai surtout hâte de voir si c'est un film de rectitude. Moi, j'espère juste que ce sera pas un Luke Cage ou un Black Lightning. Ah, Black Lightning. C'est-tu de la merde? C'est de la merde.
C'est tellement de la merde. On est arrivé au cinéma. Dan m'amène dans la section VIP. Cinéplex VIP. On vit comme des rois. Oh, nice. Ça, c'est à moi? Ouais. Nice. On se créerait dans un hôtel de luxe. On vient écouter un film dans un hôtel de luxe. The revolution will not be televised. Show me my respect. And bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. The revolution will be live. Voilà, Internet. Oh, regardez ça. Ma toile de Bobino et Boba Fett est terminée. Jason, Boba Fett. En fait, c'est Bobino et Bobinette. J'ai fait une belle petite patch, bien content du travail que j'ai fait là-dessus. Puis j'ai fait un macaron du oui. Quand j'étais jeune, Bobino, il y avait une fleur ici sur son veston. Et puis moi, j'ai changé ça pour un macaron du oui. Puis il n'y a aucune raison, il n'y a aucun statement politique. Il n'y a absolument rien, pis ça. Ma blonde qui est cartésienne, ça la fait capoter. C'est comme, non, tu peux pas. Pourquoi tu mets ça? Ben, elle cherche une raison. Pour elle, il faut qu'il y ait une raison. Puis moi, j'aime ça, déstabiliser les gens. Faire une espèce de courte pointe d'idées qui ont peut-être pas rapport. C'est éclaté, c'est comme compartimenté dans des carrés complètement différents. Là, il fait super beau. Puis je voulais prendre un petit peu de temps pour vous faire ma critique. Attention! Critique de... Oh, t'es en train de tomber, hein? Critique du film Black Panther. Pour ça, je dois nous remettre un petit peu dans le contexte social dans lequel on vit. Depuis 2-3 ans, on vit dans une ère un petit peu de rectitude. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des minorités, il y a des groupes qui ont été oppressés, qui prennent enfin leur voix. Enfin, ces groupes-là sont entendus, sauf que parfois, ça donne lieu à des débordements, ça donne lieu aussi à des malaises, des petits malaises, surtout en termes de culture. C'est-à-dire qu'on se sent mal en tant que consommateur de ne pas aimer la musique de certaines cultures, de ne pas être attiré vers certains films de d'autres cultures. Or, pour la communauté noire, ça faisait longtemps qu'on voulait un film et un héros qui fonctionne. Sur Netflix, Luke Cage ont complètement manqué leur coup. Puis c'est pas à cause du fait qu'ils soient noirs, c'est pas à cause du fait que ce soit la culture afro-américaine, c'est simplement parce que c'est une série remplie de gros clichés mauvais. C'est mauvais à souhait. Black Panther, on voulait absolument, tout le monde voulait que ça fonctionne et on l'attendait vraiment de pied ferme. Quand j'ai vu les critiques et le hype sur Internet, je me suis mis à douter un peu. Je me suis dit, est-ce que le monde aime ça juste parce qu'ils veulent pas blesser la communauté noire, ils veulent pas passer pour des racistes? On est vraiment rendu dans ce genre d'air-là où est-ce que c'est très délicat. Avant d'aller voir Black Panther, j'avais vraiment peur que ce film-là soit rempli de rectitude, de messages, qu'on essaye de créer un contrebalancier pour toutes ces années où est-ce que les Noirs ont vraiment été négligés dans les films américains. Bon, pour la critique, allons-y morceau par morceau. Visuellement, c'est incroyable. C'est vraiment un beau film, les costumes sont beaux, les technologies sont belles, l'univers qu'ils ont créé, entre autres cette espèce de pays secret, cette espèce de zone secrète qui est Wakanda. C'est tellement beau, c'est futuriste, mais en même temps on sent la culture africaine là-dedans. C'est vraiment présent, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien dosé. Du moins pour moi qui suis blanc, en tout cas, j'étais ravi de voir ça. J'étais ravi aussi d'entendre la musique de ça. Beaucoup de musique traditionnelle africaine qui se mêle aussi à la musique conventionnelle
de films de super-héros et c'est tellement bon. La trame sonore est superbe. L'histoire est incroyablement bonne. C'est facile à suivre. C'est pas rempli d'espèces de liens avec d'autres films. Il y a évidemment des Easter eggs et quelques liens comme ça, mais ce film-là peut s'écouter tout seul sans avoir jamais vu un autre film de Marvel. L'histoire est complexe et ce qui m'a surpris, chacun des personnages a un rôle important. Habituellement, les films de Marvel, t'as un gentil, un méchant, le reste, c'est tout de l'extra. Mais là, dans ce film-là, tous les personnages ont un rôle important, qui ont une incidence sur l'histoire. Ça, sérieux, ça m'a fait aimer le film au bout. Les personnages, il y en a des drôles, il y en a des moins drôles. C'est de valeur, l'humour là-dedans est pas assez présent. Il y avait des bonnes lignes, il y avait des bons gags, mais c'était trop dispersé. Il y en avait pas suffisamment, à mon avis, pour essayer de détendre l'atmosphère. J'ai l'impression que je suis pas le seul qui est rentré là, un petit peu tendu, qui voulait absolument que ça marche, puis qui avait peur de donner une mauvaise critique à ce film-là. Fait un petit peu plus d'humour, me semble que ça aurait peut-être un petit peu détendu ou allégé, disons, le spirit de ce film-là qui était attendu depuis longtemps. Oui, un petit peu de rectitude là-dedans. On veut nous instruire, on veut nous passer un message. Il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de parallèles, beaucoup de politique là-dedans. Vous allez voir, on y fait une réflexion, un questionnement, une espèce de petit parallèle avec les problèmes que vivent les pays de l'Occident avec les réfugiés, mais c'est pas overdose, c'est vraiment bien fait, c'est un message de paix, c'est pas, on fait pas filer cheap le reste de la planète, je sais pas si vous comprenez, les vilains, évidemment, le vilain là-dedans en a gros sur le cœur pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'a vécu son peuple, sauf que les gentils là-dedans ont vraiment des intentions plus peaceful. Il y a quelque chose, il y a vraiment un beau message. C'est bien reçu, c'est pas over the top. En tout cas, moi, je trouvais pas qu'il y avait une overdose de rectitude là-dedans. Je trouvais que c'était bien dosé et ça faisait du bien. Overall, c'est un super bon film. C'est un des bons Marvel de cette année. Quant à moi, c'est le meilleur Marvel de cette année. On verra pour les autres qui s'en viennent. Mais reste que c'est un des meilleurs. J'ai hâte de pouvoir suivre les suites. J'espère qu'ils vont garder ça simple comme ça l'était, qui mêleront pas 56 univers, qu'on commencera pas à s'en mêler comme les Avengers où est-ce que ils font plein de liens avec plein de films. Moi, je suis tout mélangé. Je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ce genre de truc là. Moi, faut que ce soit simple. Bon, là, on va aller peindre un peu. Mais là, la question c'est, est-ce que je fais une aquarelle ou une acrylique? You don't wanna go, but I'm not staying. See you found love, but I'm just aging. Inside, I'm still alive, I'm still alive. But you know that we might still get burned. Raging, the fire is raging. Burning alive.
inside, I'm still alive, I'm still alive. But we cannot burn without nowhere.